Yo les gars, nouvelle vidéo. Alors cette fois on va aller sur Perle Scintillante, Pokémon Perle Scintillante, c'est parti. Donc aussi, ce que je voulais vous dire, c'est je commence pas le jeu. J'ai déjà Diamant Étincelant chez ma mère, là, chez mon père. J'ai déjà Diamant Étincelant et je suis bloquée sur contre Cynthia. Bon après j'y ai pas en français bien sûr. J'y ai pas passé beaucoup de temps. Enfin 2 heures. Ah. Alors, bonjour, quel jeu de te rencontrer. Allez, on va commencer. Est-ce qu'on... Attendez. Je vois pas bien, je... Là. Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans l'univers des Pokémon. Professeur Sorbier. Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Bien sûr. Gwanfrex. Nous, les êtres humains, vivons aux côtés des Pokémon. Nous jouons et travaillons ensemble. Certaines personnes font leur Pokémon. Faut combattre leurs Pokémon. Oh, et tisse un lien très fort avec. Je sais même pas lire. Moi, je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables. Non. Bien, maintenant, parle-moi un peu de toi. Ouais, très bien. Bon, allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Oh. Ok, d'accord. Le joystick, il bug. Ça marche. Night night. Nanana, ok. Alors, lui. Lui, c'est Seb. Allez. Je vais choisir un prénom. Seb. Seb. Ouais, c'est comme ça. C'est le nom de mon père. Et vu qu'il aime bien Pokémon aussi, voilà. Ton aventure est sur le point de commencer. Tu croiseras les chemins de... Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnes et de Pokémon. Oh là. Et qui sait, peut-être que tu en découvriras plus toi-même. Allez, plonge sans plus attendre dans l'univers des Pokémon. Allez, c'est parti! Je vais attaquer une partie sur... Un conseil juste pour les starters, malgré tous les efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare. Le supposé Léviathan rouge demeure invisible et l'ennemi et l'équipe... Oh là là, perdu, tous motivés. Oh là là, j'arrive même plus à lire. Nanana, ceci conclut l'émission spéciale. Nanana. Félix Télé, d'accord. L'année prochaine, même heure, même chaîne. D'accord. Tu penses si on revient après plus tard dans l'aventure, il y aura là l'épisode 2. Bon, bref. Bonjour, maman. Not Night, c'est te chercher. Je sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. Bon, bah, je crois qu'il va falloir aller le voir. Oh! Ah. Oh, mais j'y pense. Ne va pas dans... D'accord, ouais. Ouais, et comme par hasard, on va y aller. Bon, bref. Sinon. Nanani, nanana. Bonjour, Seb. Ah! Oui, il nous fonce tout le temps dedans. C'est pas possible, hein. Hein, qui va là? Oh, c'est toi, Night Night. Et je veux une like. Alors, viens avec moi. Et traîne pas, hein. Si t'es en retard, tu me devras 10 000. Et je vais être en avance. Tu vas me devoir 100 000. Allez, au bout de 100 000. Oh non, il a oublié un truc. Bon, allez. C'est ma cruche, c'est lui. On s'incruste. Ah, crotte. Attendez, c'est mal recentré. J'ai ferais mieux de prendre aussi mon sac et mes notes d'aventure.
Ah, tiens, mais qui va là? Ah, qui est là notre night? On va au lac. Si tu es en retard, sur la route. Si, ouais, tu me devras 5 000 euros. 5 000 poképièces. Oh là là, je suis pas même. Allez, c'est parti. On va arriver en avance. C'est lui qui va me devoir 1 000 000 poképièces. C'est parti. Allez, vite, 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 vite. Faut pas être en retard. Moi. Là, on y va. Bonjour. Et t'as vu l'émission qui est passée à la télé? Tu sais, celle de l'apparition d'un mystérieux. Ouais, dans le Pokémon furieux au lac. En recherche du Léviathan rouge. Léviathan shiny. Ça m'a fait réfléchir. Je parie qu'il y en a aussi un Pokémon rare. Ouais, il y en a un. Alors voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche. Ouais, bah, bonne chance, hein. C'est pas comme si tu le découvrais après à la fin. Ouais, avant, je pensais que c'était par là. Donc du coup bah je comprenais pas. Et donc et pourquoi ça retourne là-bas? Allez. Et en fait j'ai mis du temps à comprendre que c'était là. Si tu mets 10 minutes. Si moi j'ai pas beaucoup de jugeote, hein. On reste là. Déjà on va enregistrer. Ouais, des 0 Pokémon, 0 badge. 5 minutes que je joue. On run dans les forêts. Ça y est, ah oui, c'est un lac. Bon. Là, on dirait. On va trouver le. Les bêtes rouges. Là, il y a le professeur et Aurore. Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté, professeur. Si tu me trompais. Pourtant, on dirait que quelque chose a changé. Peu importe. Au moins, nous avons pu voir le lac. Allons-nous en. Professeur, qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Sinnoh après 4 ans de. Ah, il était parti, d'accord, je n'ai même pas vu là. C'est exaltant d'un point de vue scientifique car il y a beaucoup de Pokémon rares dans la région. Je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches. D'accord. Bonjour. Poussez-vous. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Merci. Ah, il a dit merci. Voilà. Pardon, je passe. Pardon, je passe. Oui, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là? Bon, tant pis. Inette, regarde. Viens, on va voir ça de plus près. Qu'est-ce que tu dis? Faut pas dire le terme. T'inquiète. On n'y restera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. Bah si. Bah si, bouffon vert. Allez, tiens, une maillette. Les gens qui viennent de partir l'ont oublié. Qu'est-ce qu'on fait? On peut la leur rendre, mais on ne sait pas qui ils sont. Je crois que le mieux ce serait que le vieux se faisait appeler professeur. Oh, des poissons! Waouh, des Pokémon! Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va prendre des Pokéballs. Né, né, né. Alors là. Vous faites comme vous voulez. Juste un conseil. Choisissez elle. Elle, c'est Ousticram. Surtout pas elle. Oh. Ouais. Je pas trop. Tortipousse, bof. Mais le mieux, c'est elle. Parce que elle, des Pokémon de type feu, c'est pas pour dire. Mais il y en a. Il n'y a que lui et Ponyta. Galopa. Donc, je vous conseille quand même Ousticram. Moi, je voulais changer parce que le Pokémon Diamant, j'avais pris Ousticram. Mais finalement, voilà. Vu que j'ai regardé. D'accord. Ok. Ouais, tac. Griffe. Bon. Toujours une attaque pourrie, mais c'est pas. Première attaque, les tourmis sauvages, nanani, nanana. Ok. Moi je vous préviens, moi je joue bourrin. Hein. Voilà les gros yeux, je vais pas les utiliser. Hein. Jamais de la vie. Moi je joue bourrin, je fais pas de trucs, j'augmente mon attaque ou quoi, ouais, c'est mort. Moi je fais des attaques, bref, bref. Ouais c'est bon. Hein. Le seul truc que j'ai utilisé c'était un truc de soin avec. C'était fontaine de vie, ouais, un truc comme ça. Bon, il dit, oh tiens! Comme par hasard, il a pris.
Ah, il s'appelle comment là? Béca glaçon. Non, pas béca glaçon. Tipouf, voilà. Oh. Ah, ça y est. Bonjour. La mallette est là, le professeur. T'es furieux si je. Bah, vous avez pris des Pokéballs? Ouais. Oh non. Que va dire le professeur? Bon, on verra ça plus tard. Comment ici on peut lui rapporter la mallette? Ouais, bon, l'accent. J'ai aucun accent, moi. Laisse tomber. C'est quoi toutes ces histoires? Je sais pas trop ce qui se passe, mais on fera mieux d'y aller. Mais Pokémon? Mon Pokémon, mes Pokémon, il en a qu'un. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Et si on se fait encore attaquer, ça pourrait mal tourner. Moi, le mien, il n'a pas été blessé, hein. L'année dernière. Pourri. C'est pourri. Passe devant. Je sais bien que ces Pokémon ne sont pas à nous et qu'on doit les rendre. Mais j'aimerais bien passer encore un petit bout de temps avec ce petit gars. Un petit bout de temps. Oh là là. Allez. Et après, ma maman va me donner des chaussures de sport pour aller plus vite. Ça va être beaucoup plus simple. Bonjour! Encore eux? On dirait qu'ils nous détestent. On dirait qu'ils nous regardent. Qu'ils nous détestent aussi. Aurore m'a. Vous avez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Ok. Psycram était pouf. Ouais, et alors? Tu le vois très bien. Aurore, je retourne au labo. Au revoir. D'accord, attendez-moi, professeur. Vous devriez passer nous rendre une visite au labo. Ouais, À plus tard. J'ai dit la voix. Bon, alors, il est pas en colère. Il a pas envie de récupérer ses Pokémon. Maintenant, on devrait rentrer, nous aussi. Ouais, on rentre, c'est bon, hein. Ouais, 2 secondes, 2 secondes. Tatati, tatata, la 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 la. Bonjour, maman. Quoi de neuf, mon loulou? Wow, je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé. C'est mais toi, et tiens, ils sont tes principales. Ouais, on a surtout des Pokémon, ça c'est bien. Monsieur dont tu parlais, sûrement le professeur Storbier de Litorilla. Il paraît qu'il est célèbre et aussi qu'il est pour ses études, c'est la Pokémon. Et que il n'est pas. Ouais, voilà, pas sympa. J'allais dire un autre truc, mais bon. Je vais pas le dire parce que voilà. Je crois que tu devrais aller le voir à Litorella. Il faut que tu expliques pourquoi tu as été. D'accord, ouais. Ne t'inquiète pas, va. Je suis sûre qu'il se montrera compréhensif. Ouais. Pas sûr, enfin si, oui, bien sûr, oui. Se rendre à Littorella est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec les chaussures de sport, le trajet te paraîtra moins long. Ah bon? Ah, comme par hasard. Ah, d'accord. Déjà, c'est un message qu'on a reçu dans la boîte aux lettres. D'accord. Et alors? Allez, maintenant on court. On court, on court, on court, on court. Sauf qu'il peut. On se sauve! Non, pas de Pokémon! Tant que je veux pas les attraper, moi j'en veux pas! Ya! Oh, bon. Oh, le. Oh, lui là. Ouais. Kunota. Griffe, tiens. Dans ta bouche. Rugir, rugir, rugir. Ah, d'accord. Allez. Allez, moi je veux un Léviator et un Luxray. Les deux trucs que j'avais pas dans mon équipe. Dans Diamant. Et c'est pour ça que je me fais défoncer. Allez, mais quoi? Eh oh, ça fait plus de dégâts tout à l'heure. Allez, tiens, que le tort meurt. Tiki! Ouais, allez, ça marche. Ouais, bon, on va aller là. Bam, bam, bam. Ah, coucou, toi! Voilà. Te voilà, suis-moi, s'il te plaît. Profite-en. Et bam!
Nous y sommes, voici notre labo Pokémon. BAM! Voilà, boum! C'est la même chose. Mais que. Oh, c'est toi une plaque! Ce vieil homme, il est pas juste effrayant, il est complètement taré! Il s'est tarbé. Enfin, c'est pas grave. Je file la puce! Salut! D'accord, il est parti où? Ouah, il est toujours aussi précis, ton ami! Bref, entrons! Non, oui, je crois qu'il est toujours aussi pressé. Bon. Oh, professeur! Te voilà enfin, tu t'appelles Nightlight, n'est-ce pas? Montre-moi à nouveau le Pokémon, je te prie. Je vois. Ce Pokémon m'a l'air heureux. Très bien, puisque tu t'en occupes si bien, je t'en fais cadeau. Ah, d'accord. Mais qu'il est. Maintenant qu'il est à toi, vas-tu lui donner un surnom? Non. Cramouet, non. Bon, je vais arrêter d'avoir des idées stupides. Sed m'a expliqué ce qui s'est passé au lac hier. Il paraît que tu t'es bien battu alors que c'était ton premier combat. Bah ouais, enfin, c'est pas mon premier combat. Hein. Ça fait des années que je pratique le métier. Et d'après ce que je vois, tu as déjà commencé à te lier d'amitié avec ce Pokémon. Bah, moi, ouais, et pas que lui. Hein. Mais bon, on dirait que Oustikram est entre de bonnes mains avec toi. Ouais, ça fait depuis que j'ai 5 ans que je joue à Pokémon. Oh. Quel sens que ce Pokémon soit tombé sur quelqu'un de gentil comme toi, comme moi. Merci. Si ce n'était pas le cas, je n'ose même pas y penser. Ok. Ahem. Ahem. Atchoum. Bien. Passons aux choses sérieuses. Je voudrais te confier une mission, mais je vais d'abord t'en dire un peu plus sur moi. D'accord. Mon nom est Sorbiégite. Mais tu l'as dit tout au début de l'aventure. Oh là. Je veux tout savoir sur les Pokémon qui vivent dans la région de. Ouais, et alors? Pour cela, j'ai besoin que l'on complète les données avec ce Pokédex. D'accord. Si tu veux, je le complète. Comme ça, après, je pourrai avoir tous les autres Pokémon légendaires. Et le. Ouais, vas-y, si tu veux. Ok, très bien. C'est la réponse que je voulais. Le Pokédex, on a reçu le Pokédex. Nanani, nanana. Ta ta ti, ta ta ta, ta di, ta ti, ta ti, ta. Qu'as-tu ressenti lorsque tu arpentais la route 101 avec ton Pokémon? J'ai beau avoir 60 ans, j'ai toujours des frissons quand je suis avec un Pokémon. Ah bon? Ah bon? Sache qu'il existe d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela signifie qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors en route! C'est le début d'une grande aventure! T'es parti, Tortipouss. Ah oui, là, du coup, elle a pris Tortipouss. Et si tu avais choisi ce Pokémon, là, nous aurions eu le même. Bah non! Oh là là! Pas possible. Enfin, peu importe. Si j'aurais pris Tortipouss, elle aurait pris Tiplouf. Voilà. Bon, bref. Moi aussi, j'aide le professeur à remplir les pages du Pokédex. Ah bon? Tu sers à rien, en fait. En un sens, je suis comme toi. Bon, j'ai juste commencé un peu avant. Ouais, mais bon, je vais avoir fini avant toi, t'inquiète pas. Je suis ravie de t'apprendre tout ce que je sais. C'est un plaisir de t'avoir rencontré. Ah, d'accord, au revoir, adieu. Elle va crever ou de t'avoir rencontré, ça c'est, tu sais, tu dis ça quand. Pourquoi ça. Ah, ah oui. Aussi, si je fais avec Jurassic 3, ça va pas aller. Nan, bonjour! J'ai plus d'expérience que toi. Nanana, suis-moi. Quoi? Oui, ça c'est le centre Pokémon. Ensuite, elle va nous montrer le toit bleu, c'est pour acheter des objets. Voilà. Et dans des arènes, il y aura des villes. Voilà. Putain, je suis con. Dans des arènes, il y aura des villes. Ah ouais? Bah, elles sont grandes, les arènes. Hein. Non, dans des villes, il y aura des arènes. Dans certaines villes. Voilà. 8 villes au total. Ta famille. Ouais, bah oui, il faut que j'aille le prévenir, peut-être. Je suis d'accord. Ouais. Au revoir. Adieu. Adios. Allez, on va prévenir la famille.
chez la famille. Voilà. Allez, c'est parti. On passe par là-haut. C'est mieux. Yaha! Tu sais, la famille. On prévient la famille! Bonjour mon loulou, ça va? Comment se portent les Pokémon? Je prépare le dîner, reposez-vous donc. D'accord, on se repose. Reçu 10 sur 20. Comment ça s'est passé? Bah bien, ça alors, le professeur. Nanana. Dans ce cas, il n'y a pas hésité, fonce, ta maman te soutient. Ah bon? Bah, c'est vrai que dans la vraie vie aussi. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui pourrait être utile. Ouais. Le sens utile, je vois pas trop. J'ai jamais utilisé dans le jeu. Nanani, ok. Tu pourras peut-être. D'accord. Quelle chance tu as de partir avec ton Pokémon en plus. Si je m'écoutais, je t'accompagne. Ouais. D'accord. Mais non, je plaisante. Ah, ok. Même si j'ai déjà tout lu, rappelle plus du début. Après, pas ce mytho, j'ai fini en moins d'une semaine. Mais c'est ton avis d'aventure, rien qu'à toi. On va continuer. Ne t'en fais pas pour moi et amuse-toi bien. Enfin, fini. Il manque Cynthia. Rien ne me fait plus plaisir que de savoir que tu as découvrir. Que tu vas découvrir. Et éprouver de nouvelles sensations, d'accord. Mais reviens de temps en temps. J'aimerais voir quel Pokémon tu vas attraper. Ouais, d'accord. Je vois pas à quoi ça sert les notes. Oh, c'est la maman de Seb. Ah, excusez-moi, mon petit Seb est-il ici? Oh, non, il n'est pas là. Oh, il a déjà dû partir alors. Que faire? Mon fils m'a dit qu'il part à l'aventure, ensuite il s'est précipité, on va devoir aller lui apporter une lettre. Il est si impulsif et téméraire, je vais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas. J'ai rien demandé, moi. N'est-ce pas? Non, je ferai pas ça pour toi. Peux-tu apporter assez. Non! D'accord, je l'apporterai pas. C'est mort. J'ai pas envie. Je compte sur toi pour le rattraper. Bon, on va être obligé. Bon, en tout cas, la première vidéo, il s'arrête ici. Bon, la première vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, on se retrouve pour la partie 2. Il y en aura peut-être une tous les jours. Et par contre, une semaine sur deux. Parce qu'il y a une semaine chez ma mère. Et une semaine chez mon père. Mais peut-être que des fois, j'avancerai un peu les. Peut-être qu'en un jour, je ferai plusieurs trucs. Donc du coup, ça fera peut-être pour samedi, dimanche. Je verrai. Donc en tout cas, voilà. Allez, tchuss!